Bonjour Moon et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement auprès de nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Moon, je suis une nouvelle artiste en Corée du Sud. Donc, j'ai 22 ans, je suis d'origine vietnamienne et centrafricaine et j'ai débuté en Corée du Sud en tant que rappeuse en 2023, vers août. Donc, mon but, c'était de pouvoir faire une musique tout à fait nouvelle, en fait, en mélangeant toutes mes cultures. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai sorti mes premiers titres en 2023. Donc du coup, en fait, mon prénom entier de base, c'est Muna. Et en fait, en arrivant en Corée, donc depuis 2019, la première fois que je suis venue, tous mes amis en fait, anglophones, ils m'appelaient tout le temps Moon. Ces personnes-là, en fait, aimaient beaucoup m'appeler Moon. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je me suis appelée Moon, en fait, et j'ai gardé cette appellation même en tant qu'artiste. Vous avez sorti un nouveau single, Moonlight. J'imagine qu'il fait aussi un peu référence à votre ouais, artiste. Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? De base, quand j'ai écrit Moonlight, c'était un freestyle. Donc, on était en train de réfléchir. J'avais sorti Soul City Drift. On voulait faire une autre musique. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, là, je suis tombée sur une instru qui est assez cool. C'était vraiment de la drill anglaise. Donc, j'ai écrit un petit freestyle. Et j'ai vu que ça passait super bien. Je l'ai envoyé au producteur. Il m'a dit, mais c'est trop cool, tu peux même le clipper et tout. Donc, j'ai parti au studio et j'étais super à l'aise, comme c'était un freestyle du coup de base. Au moment en fait, où je l'ai écrit, j'avais vraiment besoin de me ressentir proche en fait, de ma personne. Et surtout, en tant qu'artiste, je me posais beaucoup de questions. Et en fait, en sortant de ma première musique, tu vois, j'ai pu un peu regarder sur les réseaux sociaux, les réactions. Donc, il y a quelques fois en fait, où j'ai pu avoir une baisse d'estime. Et quand j'ai écrit Moonlight, en fait, ça m'a reboosté. Mmh. Parce que du coup, je me suis dit, voilà, si les gens me voyaient de cette image-là, ça me ferait vraiment très, très plaisir. Donc, c'est pour ça que dans Moonlight, quand vous allez pouvoir, par exemple, regarder les paroles, vous allez voir que c'est vraiment, si je peux dire, de l'auto-boost, en fait. Genre, j'essaye de me dire, en fait, je me dis, voilà, t'as envie de devenir ce type de personne. Donc, si tu te visualise comme ce type de personne, tu seras ce type de personne. Et en revenant sur Moonlight, du coup, est-ce que vous pourriez en chanter un morceau ? Oui, avec plaisir. Je remarque que du coup vos bars sont un mélange assez habile entre le coréen et l'anglais et vous êtes autodidacte dans ces deux langues. Comment est-ce que ces deux langues influencent-elles votre expression artistique, en particulier le rap du coup que vous faites dans ces deux langues ? Bah en fait, c'est ce qui est fou, c'est que c'est comme je l'ai toujours dit depuis le début, j'ai envie de toucher plusieurs cultures et en fait le fait d'utiliser plusieurs langues dans mes musiques en fait ça retranscrit mon intention en fait de vouloir mélanger les cultures. Donc par exemple, je suis pas née dans la culture coréenne, mais c'est une culture que je commence à apprendre et que j'ai commencé à apprendre depuis 2019, donc c'était important pour moi d'incorporer en fait la langue coréenne dans mes musiques. Pareil pour l'anglais, bah j'ai toujours fait de la musique en anglais, c'est la langue on va dire à peu près universelle et la plus utilisée. Donc à partir du moment où je voulais un peu sortir des frontières françaises, il me fallait tu vois utiliser l'anglais et même je me sentais super à l'aise vu que c'est deux langues en vrai qui ne me sont pas en fait maternelles. À chaque fois que j'écris des musiques, j'apprends toujours plus de choses, donc je pense que c'est fou parce que du coup, par exemple, rien que sur l'aspect des paroles qui vont être en coréen, j'ai besoin du coup de mes producteurs coréens pour même m'épauler sur ça. Tiens, là, moi, je l'écris comme ça, mais ils vont me dire, attends, mais non, on le dit pas comme ça, tu vois, nous, en Corée, de nos jours, on a changé, on le dit plus comme ça, donc en fait, c'est avec, tu vois, avec les équipes, même, ça crée quelque chose de plus profond. Là où, par exemple, j'aurais écrit en français, j'aurais même pas eu besoin, en vrai, du feedback, on va dire, de mon équipe, par exemple, sur, tiens, telle expression. Alors que là, en fait, on mélange plein de choses et c'est ce qui fait toute l'œuvre, en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez commencer vos activités musicales en Corée du Sud, d'ailleurs ? En fait, ce qui est fou, c'est que quand j'avais à peu près 10, 11 ans, c'était une période de ma vie où je restais énormément, en fait, chez moi, toute seule. Pourtant, je suis née dans une famille très nombreuse. Et j'étais tombée sur cette chaîne, donc ça s'appelait D40 sur Freebox. Donc ça veut dire que ça date vraiment de super longtemps. Et en fait, ils passaient des musiques japonaises et coréennes, donc la K-pop et de la J-pop.
Et en fait, quand j'ai regardé en fait les clips, ça m'avait changé en fait à l'époque. Parce que du coup, on est arrivé dans une ère où, par exemple, en France, la plupart des artistes faisaient des clips qui, voilà, pas forcément très esthétiques, mais en fait, tout était basé sur la musique. Alors qu'en Corée, tout était basé sur tout. Donc en fait, quand je regardais en fait les visuels de la K-pop comme de la J-pop, en fait, les deux me donnaient énormément envie. Du coup, je suis venue en 2019, quand j'avais 17 ans, pour la première fois en Corée. Et en fait, je suis tombée amoureuse du pays. Et là, je me suis dit, mais les gens sont super. Ils ont une curiosité qui est toujours, en fait, si je puis dire, bien placée par rapport à moi. Donc, c'était des personnes avec qui je pouvais, en fait, parler de choses par rapport auxquelles je n'avais jamais parlé, en fait, avant. Parce que, en soi, dans mon pays d'origine, personne n'était vraiment intéressé par « Ah, tiens, comment tes parents se sont rencontrés ?» Comment si ou ça. Alors qu'ici, c'était vraiment... un sujet en fait qui intéressait énormément les gens. Mon histoire, j'avais en fait pour la première fois de ma vie la possibilité de parler de qui j'étais, qui je voulais être et en fait comment je suis devenue qui je suis en fait. Et vous avez parlé de mélange de cultures. On peut remarquer que de plus en plus d'artistes étrangers aussi émergent dans l'industrie musicale coréenne, comme par exemple Black Swan, récemment le groupe Wicha, également l'émission University Kid et bien sûr vous-même du coup. Comment est-ce que vous percevez le rôle de la diversité dans l'industrie musicale actuelle en Corée et son évolution dans le futur? En fait, pour moi, c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que on parle quand même de la Corée où c'est justement une population qui est assez homogène de base. Donc il peut rien avoir de mieux en fait que du coup des personnes étrangères qui puissent aussi venir en Corée montrer du coup un aspect de la musique, du coup on va dire. Différent, en soi différent pour les Coréens, mais en soi, je pense qu'il sera bien accepté à partir du moment où, en fait, ces personnes étrangères-là essayent aussi d'incorporer la culture coréenne. Et c'est là, en fait, que ça donne ce mélange qui, pour moi, est juste le meilleur, en fait. Vous faites aussi référence à vos origines que vous décrivez comme playsian, et vous mentionnez le regard que cela peut susciter en Corée, en général, avec les Coréens. Est-ce que vous pouvez nous partager davantage sur cette dimension de votre identité? Oui, bien sûr. Donc, du coup, je suis Blasian, donc je suis Black et Asian, donc d'origine noire et asiatique, donc africaine et asiatique. Du coup, j'ai plus grandi du côté de ma mère, donc Centrafrique et Vietnam, et du côté de mon père, Tchad et Sénégal. Des Coréens, dès que je leur dis que je suis métissée asiatique et africaine, ils croient que je suis coréenne, mais dès que je leur dis que je suis vietnamienne, pour eux, ça leur paraît logique. Il n'y a jamais eu un Coréen qui m'a dit « je n'y crois pas » ou quoi que ce soit. C'est toujours « ah, en plus, tu me fais repenser à quelqu'un que je connais, à une amie de... » Je me souviens, je suis partie dans une agence de mannequins. Et en fait, le CEO, justement, il me disait « mais depuis tout à l'heure, je te regarde parce que tu me fais penser à une amie universitaire coréenne en fait, que j'ai connue depuis que j'étais super jeune. » Et ça m'a fait beaucoup de baume au cœur parce que j'étais en mode « ah, ben, c'est fou parce que... » Même ces personnes-là qui n'ont pas besoin d'en savoir énormément sur voilà, qui je suis, d'où je viens, mes origines ou combien de pourcents j'ai, ils ne cherchent pas en fait, à renier mes origines, même si je les clame de moi-même. En fait. Et c'est cette facilité d'accepter en fait, ma personne que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée avec toutes les personnes en fait, que j'ai connues quand j'ai quitté la France en soi. Et qui m'a en fait... qui m'a permis en fait de rester assez forte, on va dire, en Corée. Parce que si en Corée, je sentais qu'en plus, les gens ne m'acceptaient pas pour qui j'étais, je pense que j'aurais peut-être craqué plus tôt. Mais là, ils sont tellement en fait ouverts. Ils sont tellement plus ouverts que ce qu'on pourrait croire, en fait. Quand on est en France et qu'on regarde, par exemple, des reportages, on peut se dire, ouais, non, en Corée, c'est trop strict et tout. Mais non, je pense que toutes les opportunités, même un... énormément d'opportunités que j'ai eues en Corée, je ne les aurais pas eues aussi facilement qu'en Corée, en fait. D'accord, merci. Et enfin, pour finir, est-ce que vous pouvez nous partager des détails sur vos projets futurs et est-ce qu'il y a des nouvelles surprises ou des choses nouvelles que les fans peuvent anticiper? Énormément, énormément de choses nouvelles. Donc, en fait, il faut savoir un truc parce que j'avais pas mal, on va dire, de mal, entre parenthèses, à me rendre compte de certaines choses. Donc en fait, quand j'ai pris énormément de recul en regardant un peu les commentaires, un peu qu'est-ce que les personnes voulaient, qu'est-ce que ma communauté voulait, qu'est-ce que les fans, même les personnes qui aimeraient justement être fans, recherchaient un peu plus dans ma musique. Donc j'ai pris un peu tout ça en compte et on a commencé à travailler du coup sur un projet qui est complètement différent. J'ai d'ailleurs même tourné déjà un clip
qui, je l'espère, sortira bientôt. On en a même deux, même, déjà, qui sont prêts, avec des influences complètement différentes de ce que j'ai fait. Il y en a où on va sur de l'afro-drill, donc justement où je mélange ma culture africaine avec la drill UK que j'aime trop, 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 tout en rappant en coréen et en anglais, donc avec tout ce mélange de cultures, avec un visuel qui, du coup, est... donc c'est un petit spoiler. Dans un hanok coréen, donc on a vraiment fait tout le concept en fait. Donc déjà tout est tourné en Corée, on a fait le concept même avec des lieux en fait typiquement coréens, des bars typiquement coréens. En fait tout l'esprit en fait de la Corée qu'on a mis dans le visuel, qu'on a mis aussi dans la langue, qu'on a mis aussi même dans la production. Donc tous ces mélanges là, j'espère que vous serez capable de les voir, et j'aimerais aussi énormément adresser du coup ce message à toutes les personnes qui écouteront mes musiques et qui les écoutent déjà. Qu'en fait c'est super important, super super important pour moi que vous puissiez voir plus loin qu'en fait juste la musicalité de mes musiques, parce que ce qui a toujours été important pour moi et qui a été même vraiment, si je puis dire, quelque chose dont je suis reconnaissante en fait par rapport à mon label, c'était de me laisser ma liberté artistique dans tous mes choix en fait, que ce soit ma direction artistique, que ce soit mes paroles. Donc même pour mes paroles, j'aimerais vraiment que vous puissiez prêter attention à tout ce que je dis dedans, tout ce que je dis dans mes musiques, parce qu'elles ont vraiment une signification super importante à chaque fois que j'en écris une. Et c'est toujours pour faire un rebondissement, on va dire, aux actualités en fait qui me concernent et qui peuvent même concerner en fait vous des fois ou d'autres personnes que vous connaissez. Donc voilà, ça serait important pour moi que vous puissiez faire abstraction des fois des clips qui sont, j'avoue, super cool, parce que je me donne à fond pour les clips, on fait les chorés, on fait les trucs comme ça. Mais tout ce qui va être au niveau de la musicalité, des instrus, des paroles, c'est encore plus important pour moi. Donc j'espère que vous arriverez à comprendre le message que je cherche à faire passer. Voilà, gros bisous.